rigolet que tu peux avoir de ta maman. Je lui ai fait mon fameux rigolet. Tu sais comment elle adore ça. Comme moi. T'as pensé à fermer le garage? Oui, mon capitaine. Et toi, Angelbert, tu es content d'aller voir grand-mère? Ah oui, chaque moment en famille est comme une bénédiction. Hé hey, tu peux conduire un peu moins brut? C'est de maquiller, là. Ah, ça va, t'en as mis au moins 5 fois, quoi, depuis le chemin, quoi. Ben ouais, mais c'est la première fois que je rencontre ta famille, et puis, d'habitude, ça te dérange pas que je me maquille quand tu sors? Ouais, d'habitude, chérie, ça te dérange pas quand c'est un peu brut, hein? Puis bon, ça va, c'est que ma tante et c'est que mes cousins. Jean-Xa, c'est 90 la vitesse, là. Tais-toi donc, Martine. Tu n'y connais rien. Les compteurs indiquent toujours au moins 5 km/h de plus que la vitesse véritable. Je suis large. On est bientôt arrivé. C'est reparti pour un tour. Eh ben, je vois qu'elle a au moins fait l'effort de mettre une veste. Belle tentative. Alors la retraite, ça gère? Affirmative, tu sais. Je te conseille. C'est pas pour maintenant. T'es un truc trop underground. C'est vrai ça. Ça suffit là. Hop, le MP3 là, c'est plus tard. Bonjour ma cousine. Le tube béni et la neurasthénique, le duo gagnant. Celle-là, je me la connais déjà tous les 15 jours. En plus, à tous les coups, elle m'a apporté son putain de riolet. Dégueulasse. Tiens, je te présente Jean-Za. C'est le mari de ma cousine. Ève la Socrate. Et il va encore me demander. Alors, mamie, ça boum? Alors, mamie, Ça va, Jean-Guy? Ça boum? Et elle, évidemment, elle dit rien. Ah, c'est extravagant. Il a écrit un livre sur un philosophe, là, avec un nom bizarre. Ça met des ponceaux. Ah, c'est ça. Il a même une émission de télé, hein. Ah oui, c'est vrai, vous travaillez à la télé? Parce que moi, justement, je voudrais être actrice. Et puis, Mais c'est pas permis, ce qu'il a l'air con, lui. Ah, et puis, c'est pas sa poule de l'année qui va lui tourner les pages du dico. Enfin, en attendant, je travaille dans le club de sport de Sylvain, je suis hôtesse. Bon, et vous, ça va les amours? Martine, t'as pas l'air d'avoir la pêche? Appelle-moi, je vais te trouver quelque chose. Et sinon, vous êtes rencontrés comment? Ah bah, j'étais ravitailleuse au marathon de Paris et Sylvain a sacrifié 23 secondes de sa 23 course chérie. Pour me demander mon numéro. Ça en valait la peine, hein. Ah, comme c'est touchant. C'est très charmant ici. Ouais, je sais. Pourquoi est-ce que tu t'habilles toujours en sombre comme ça, ma chérie? Ouais, ça, tu meurs? C'est à 23h. 23h? Ah, bonjour, maman. Bonjour, maman. Denis. Tiens, il est 16h et ils sont pas encore l'alcool. Ça va, Tata? Tu vas bien? T'as l'air réjoui? Salut, presque! Tu vas bien? Bonjour, Mamie. T'es bien?
Ça boum, mon petit, ça boum. Mon petit presque, les chambres sont prêtes? Oui, maîtresse. En route pour la grande course à l'héritage. S'ils pouvaient tous crever. Merci beaucoup. Ouais, j'ai fait la route en 2 heures. Mais je me souviens de rien. J'ai touché 200 de matos. Ah ouais, tiens, en fait, j'ai écouté votre démo. Hein. Et ouais, bien. Ouais. Ah, j'aime particulièrement la 3. Ouais. Ah ouais, ça me fait chier que tu sois pas là. Oh bah, c'est toujours pareil quoi. Ouais, toujours les mêmes gueules. Merci. Ouais, mais ça me fait quand même plaisir de revoir mon frère, ma soeur. Ouais. Ouais, et puis la petite nièce, elle est marrante aussi. Je présume que si tu poses tes affaires de ce côté du lit, c'est que tu as l'intention de t'y installer. C'est beau une volonté qui traverse l'existence. Beau, souple et sûr. Tu pourrais pas arrêter avec ton Amédée Poulain. Ponceau, Amédée Ponceau.
Et d'où l'importance de la psychanalyse dans l'évolution du sport. Bah c'est ça. Denis, tu le sens là le curry? Sérieusement, tu le sens? Bien sûr. Denis, tu le sens le curry? C'est sûr, tu as plus de service militaire. Oh, Denis! Rien. Alors tu récites vraiment la mission latin? Oh, c'est trop de loin! Tu sais, il y a plein de choses religieuses. Hein. La musique des Noirs en Amérique, par exemple, le jazz, bon, ben, ça, c'est religieux à l'origine. Hein. Et tu bois vraiment le sang du Christ? Nous sommes tous réunis ce soir pour les 70 ans de Blanche. Je pense que je suis le mieux placé pour dire quelques mots avant que vous offre vos cadeaux. Vous nous enterrerez tous, Blanche. En effet, quelle belle leçon de vie vous nous donnez. Car comme le disait Amédée Ponceau, être c'est sans cesse douter de soi et se reprendre. Reprendre confiance en soi, car les autres ont confiance en nous. Santé et longue vie. Bon anniversaire, mamie. Oh, merci, merci, mon chou. Mmh, une jolie boîte. De mon anniversaire, mes 70 ans aujourd'hui, et pour vous dire que demain je vous présenterai mon bon ami René. C'est formidable ça, mamie. Hein, il y a pas d'âge pour recommencer une vie. Absolument. Il ne faut pas que ce soit la joie qui nous choisisse, il faut que nous choisissions la joie qui nous convient. Allez donc appeler René pour savoir à quel âge il a fait. Oui, maîtresse.
raison. C'est très agréable d'être en famille. Tu crois que ça vous convient, un truc comme ça? Tu savais, toi, que ta mère avait un nouveau mec? Non, pourquoi? Enfin, moi, finalement, je trouve ça bien qu'elle ait rencontré quelqu'un. Où se cache-t-il? Où peut-on le trouver? Dans toutes les choses qu'il y a à aimer, les rires, les tables en bois, les chaperons, la morale, les tables de la loi, les chapelets. Où se cache-t-il? Où peut-on le trouver? Dans toutes les choses qu'il y a à aimer, Jésus, la joie, la fraternité, la pudeur, les noix, les douches toutes habillées. Où se cache-t-il? Où peut-on le trouver? Mettre des mots sur la vie, sa beauté. Où se cache-t-il? Où peut-on le trouver? S'il se cache, il sait qu'il faut le prier. Presque. Tu te fais un petit chocolat chaud, s'il te plaît? Gentil.
Il y avait du lapin. Hein. Tu pourras aller chasser là-bas, si ça t'intéresse rien. Ça va, Jeanza, tranquille. Pardon. Tu vas être un petit chat là, pas chérie. Un petit chat, tu me fais sûr. Fils, c'est la famille. Esprit quand je tranche net, acier ou salami, j'aime éventrer les mystères de la physique, de la fibre de verre. Je suis l'homme à tout faire, ça m'excite, j'en profite pour libérer mes pulsions. Ça, mais c'est n'importe quoi. Non, il est bon dessus. Il est bon, mais il sort de blessure, je crois. Il a joué que quoi, 8 matchs cette saison. Il peut pas être au top. C'est ça. Et quand tu dois monter au front, tu dois monter au front, c'est tout. Il n'y a pas de tendinite qui tienne, quoi. Merde. Joue en fait cette année. En Angleterre, je crois. Il est reposé. C'est un petit bridge. Ouais. Moi, je vous prends au poker. Ah, oh, cool. Ah non, ma cigarette, c'est dehors. Je prépare les cartes. Merci, capitaine. Vous en avez combien? Trois. En trois. Allez, vas-y. Ça va chauffer. On n'est pas des clodos, hein. Ah oui. Alors, le matos, t'as trouvé? Ok, c'est quoi? Je te rappelle demain. Deux artilleurs, quatre tirailleurs. On a retrouvé que leur godasse. Et encore, pas toutes. Bon, on y va les mecs là. Avec mon appareil, je vais tous vous plumer. Eh ben, vas-y, mise. J'en sais à quoi. Je suis seul à avoir les moyens de toute façon. C'est bon ça. C'est pas pour ça que t'es venu à la réunion quand même, hein. C'est aussi pour toucher un peu d'héritage. Hein. Merci petite sœur. Esprit de famille, s'il le prend, esprit de famille. Cool. Je relance de 10. Thank you.
serrure récalcitrante, je vais hurler. La vaisselle est instante, je m'en relève la nuit. La vis au fond de moi tourne sans répit. Je suis l'homme à tout faire. S'oubliez-moi, vous ne serez pas déçus, vous crierez de joie. Je connais plein de trucs qui tuent. C'est pour Jean-Zat, tu fais ça? Tu crois que tu vas lui montrer ton cul, ça va te faire présenter la météo? Lui au moins, il pense que je mérite mieux que ça. Me barrer plutôt qu'entendre ces conneries, quoi. Et du beurre salé? Oui, bye. Merci. De rien. Bordel de bordel! C'est quoi ces habits, là? Putain, je lui demande d'être bien avec la famille. Non, faut qu'elle allume tout le monde. Kilo de chien, là, de Jean-Zat, hein. Enfin, lui, je vais pas le louper. Je vais pas le louper, mais je vais me faire un petit footing d'abord parce que ça va pas le faire. Je vais faire un petit 15 km. Non, il m'en faut 20. Là. Putain, c'est quoi ça? Calme-toi, Sylvain. Calme-toi. Calme-toi. Tu penses à rien. Tu sais le faire. Putain, quel morieux. Je savais que j'aurais pas dû venir ici. Je le savais. Ah, vrai, calme-toi, Simon. Calme-toi. Calme-toi. La tragédie en attendant de percer les planches. Je suis secretary,
Les règles d'une belle vie, y'a pas besoin d'être une tronche. Faut pratiquer each day son alphabet. Me voici. A comme Madonna, B comme rythme, c'est comme ça, la 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 la. D comme James Bond, c'est comme ça, je vais conquérir le monde. J'entraîne à faire la bouche quand je me douche. On sait jamais, une caméra de surveillance, ça pourrait être ma chance. Je parle de langue, je suis piton, c'est ça show business. Et je sais faire du sudoku, même en anglais, yes. Parfois, j'ai dans la tête une ombre, une silhouette, comme si toute la vie n'était qu'un poids, qu'un fardeau. Osez me dire que c'est pas beau la manière dont j'interprète. Je sais tout jouer, la comédie, la tragédie, en attendant de percer les planches. Je suis secretary. Les règles d'une belle vie, y'a pas besoin d'être une tronche. Pour pratiquer each day son alphabet, me voici. A comme Madonna, oui comme Britney, c'est comme ça, la 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 la. D comme James Bond, c'est comme ça, je vais conquérir le monde. A comme Madonna, B comme Britney, c'est comme ça, la 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 la. D comme James Bond, c'est comme ça, je vais conquérir le C'est bon. Dehors, quoi. Bon, je vais chercher une bouteille à la cave. Je crois qu'il y a quelque chose. Ah, toujours, tu sais, pas petit, 15e année, mais là, je touche vraiment des choses. Je
Denis. Allez, va te coucher. Vive mon colonel. Coucher. Mes compagnons de la Légion portaient toujours l'allure fière. On chargeait tous canons en l'air, les tonneaux bien remplis de bière. En attendant la prochaine guerre, qu'un archiduc passe par les armes. On levait le coude, chantant au pas, les buveurs d'eau, c'est des trous ducs. On était plus unis qu'avec une femme au lit, bien enfoncée dans nos Rangers. Quand on sifflait, sans compliment, de la bouteille ce qu'il y avait dedans. Dès le matin, couleur levée, on attaquait la première bière. Dès le matin, couleur levée, on attaquait les yeux fermés. Nous trouvait l'amour, on fêtait ça en bon soldat. Avant qu'on ait pu dessouler, il était souvent déjà de retour. On était plus unis qu'avec une femme au lit, bien enfoncée dans nos Rangers. Quand on sifflait, sans compliment, de la bouteille ce qu'il y avait dedans. On a fumé, sans sourciller, des bataillons, des armées entières. Mais j'ai vu les plus braves larmoyer quand le barman disait c'est la der des der. Mes compagnons sont au cimetière, dans des boîtes à pourrir dedans. Je les honore dans le silence, avec une bière en la sifflant. Thank you.
Échapper l'occasion de mourir. Comment ne laisse pas échapper, une fois par hasard, l'occasion de réfléchir. Ce que fait la créature, mon Denis parti, elle, qu'est-ce qu'elle peut mijoter? Cette vipère de sa langue, on ne pourrait rien faire de bon. Morue, je la dessalerai bien au petit plan. Dans un bain froid, essoré, écrasé par un presse pur, et c'est comme ça que je me sens. Pour pas penser à lui, je cuisine pour un régiment. Et sa sœur adorée, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps? Cette vipère de salon qu'on pourrait rien faire de bon. Morue, je la dessalerai bien au petit plomb. Je boue, elle est tranquille. Où est la casserole? La moutarde me monte au nez. Faut que je sois forte. Elle dépasse la mesure. Tiens, voilà la levure. Je vais faire. Croit-elle que je sois morte, vipère? De sa langue, on pourrait rien faire de bon. Morue, je la dessalerai bien au petit plomb.
J'fumerais bien un joint, c'est marrant, j'avais jamais fait attention à ce papier peint. Ouais, les vacances toutes pourries, moi je pense à rien, et ça me suffit. Chantons solidaire les louanges de notre ami, notre j'aime bien le bruit du vent dans mon cerveau. Thank you.
j'ai déjà accompli des exploits certifiés. J'ai dans mon entre des trophées de moi en instantané. Arrivé premier partout sur terre. Ici sur un sommet où les roues ensablées, je présente mon meilleur profil, mon postérieur arrière, pour le Guinness et les posters. Et la postérité, c'est mon corps, ma bataille. Et là, il faut que je m'en aille. La médaille d'or, je la vaux. J'aime bien le bruit du vent dans mon cerveau. C'est mon corps, ma bataille. Et là, il faut que je m'en aille. La médaille d'or, je la veux. J'aime bien le bruit du vent dans mon cerveau. Bordel, je crois que je suis perdu. Quelle humiliation d'avoir été jeune, sympathique, confiant, et de mourir successivement. Organe par organe. Mais tu crois vraiment que c'est le moment? Ta gueule, il s'arrive de dire à mes dépenses, ta gueule! La cigarette! C'est dehors! Soirée passée en plein air. Ils ont tout et n'ont rien du tout. Tant pis, ils n'ont rien compris du tout. Cherche à porte, c'est le jeu. Il y a les rois et les chiens. Je lance un cri vers mes égaux, ceux qui savent qu'ils ont un cerveau et qui marche dessous. Mon esprit est sans limite, je devine toujours la suite, c'est pas comme vous. Je ne cherche pas leur compagnie, mais je la fuis, car je pense qu'ils ne savent pas qui je suis, digne des plus belles et du prix Nobel. Ils ont tout et n'ont rien du tout, tant pis. Ils n'ont rien compris du tout. Cherche à porte, c'est le jeu, il y a les rois et les chiens. Je lance un cri vers mes égaux, ceux qui savent qu'ils ont un cerveau et qui marchent dessous. Mon esprit est sans limite, je devine toujours tout de suite, c'est pas comme vous. Si je suis chef d'État, je ferai une loi pour interdire les réunions de famille. Qu'est-ce que tu veux manger? Vos cerveaux en salade et recracher un bon coup pour en acquérir.
qu'est-ce que t'écoutes? Comme connerie, j'ai ma dose, ça me saoule. Si j'avais le permis, ça serait pas permis que je ferais avec vous. T'as un amoureux pour qui tu comptes? Là-dessus que je déballe mes ébats copieux à des vieux qui marcellent les bras nus. Vivement que j'ai 18 ans, que je puisse foutre le camp, vivre ma vie comme une grande, avec l'argent de maman. T'as des projets? Ben là, essentiellement, c'est de me casser. T'as une belle frange. Pour une fois, ça m'arrange, j'ai pas à terminer ta phrase. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je sais pas, pour couvrir les voies. T'es si belle. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je sais pas, pour couvrir les voies. T'es si belle. Vivement que j'ai 18 ans, je puisse foutre le camp, vivre ma vie comme une grande, avec l'argent de maman. Qu'est-ce que tu veux? On fait pas toujours ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux? On fait pas toujours ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux? On fait pas toujours ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux? On fait pas toujours ce qu'on veut. Moi je fais toujours ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Moi je fais toujours ce que je veux. J'ai frites, je miette, je veux que ça me détende. Mes envies ont des amis qui en vendent. J'ai des renvois, ça me renvoie à mon enfance, toute l'existence.
De tous mourir. Il faut que ça cesse.
Et maintenant, tu vas mourir. J'ai dû m'occuper du garde-chasse, il va être surpris dans les bois. Faudrait qu'on trouve un autre. Oh. Et Angélique, elle aussi? Tous. Oh, c'est dommage. Je l'aimais bien, la petite. Tant pis! Thank you.
Et maintenant, tu vas mourir.